Are you listening? Damn. Savourer que la première fois où on est monté en première division, qu'on a battu Saint-Raphaël dès la première journée de championnat à domicile, et c'était le futur champion de France, et on n'a pas su surfer sur la vague. Derrière, on a fait des contre-perfs, parce que finalement, battre Saint-Raphaël sur le premier match à domicile, derrière, on ne s'est pas appuyé là-dessus, alors que là, on va se gargariser un peu, parce qu'on aurait très bien pu perdre le match 3-7 à 0. Et on est allé chercher une victoire avec un contenu de début de match qui n'était pas joli par rapport à Mulhouse. Ou à Mulhouse, on s'est mis au niveau de l'adversaire. Et puis là, je crois qu'on est descendu d'un petit cran en début de match. Et on a oublié l'aspect technique, tactique, la sortie du vestiaire. Là, c'était que dans la tête. Hein. J'ai plus trop parlé d'aspect. On n'a pas été surpris par Évreux, déjà parce qu'il s'appuie sur ses points forts, c'est toujours la même chose, sauf qu'ils le font très très bien. Et on a, le plan de match qu'on a préparé avec le staff, il était cohérent, sauf qu'on n'arrivait pas à le mettre en application, parce que peut-être on était un peu timoré, ou parce qu'on a cru qu'ils allaient faire des fautes plus facilement, des fautes directes. Mais non, c'est une équipe qui s'appuie sur certains points forts, elles le font très bien. Il y a des joueuses qui sont assez régulières, comme la numéro 6, et on n'a pas réussi à l'embêter lors du premier set. Et puis après, on a fait deux, trois fautes en fin de set qui nous pénalise, parce que je pense que si on gagne le premier set, c'est comme à Mulhouse, il fallait décrocher un set pour aller chercher un meilleur résultat. Après le set mené de 7 à 0 et qu'on remonte la pente comme ça et qu'on réussit à gagner, même au tie-break où on était toujours derrière, on revient au score à partir de 10, c'est quelque chose de long, c'est qu'on a tenu le coup, on a cru jusqu'au bout et voilà, à la fin, on obtient un résultat, c'est une victoire. Je pense que les anciens déjà, ceux qui étaient là, vu que je suis arrivée ça fait pas longtemps, ceux qui étaient là, ils ont pris les choses en main, ils ont intégré bien les nouvelles et quand je suis arrivée, le premier jour, j'ai été bien accueillie et je pense que le groupe... Dans la complicité, il y a vraiment de la complicité. Et ça part aussi de l'aide des anciens. Il n'y a pas que la capitaine, parce que tout le monde est capitaine sur un plan. Je peux jouer. Il y a certains qui mettent de la danse, la fiesta, un peu de partout. Mais chacun a un rôle précis dans l'équipe et c'est ça qui fait nos coups de force.